Chantal Leitzou, sa belle-fille est une très célèbre actrice. Si Chantal Leitzou a déjà eu l'impression de se faire voler la vedette par son mari quand il a participé à la dernière saison de Mask Singer, elle sait ce que c'est de partager la lumière. En plus de sa fille, comédienne, la compagne de son fils Julien Anceau fait aussi de la comédie. La voix de Chantal Leitzou est reconnaissable entre mille. À tel point qu'un homme lui en a un jour fait la réflexion. Un mec m'a dit, moins je vous comprends et plus je ris, révélait la comédienne dans un One Woman Show. Si la sociétaire des grosses têtes adore faire rire autour d'elle, elle a vécu un terrible drame au cours de sa vie. Il s'agit de la mort de son fils, Alix. Souvent, les gens me lancent là-dessus et c'est un drame qui est toujours très brûlant en moi. C'est toujours quelque chose qui est en moi et qui me fait souffrir dès qu'on en parle, confiait Chantal Leitzou auprès de Jordan Deluxe. Mais la comédienne a pu se reconstruire grâce à ses autres enfants, Julien et Clémence. Elle est d'ailleurs grand-mère de 5 petits-enfants. Son fils Julien Anceau est papa de jumeaux, fruit de son histoire d'amour avec Pauline Lefebvre, ancienne Miss Météo du Grand Journal. Animatrice reconnue, révélation au cinéma. Âgée de 41 ans, Pauline Lefebvre est une actrice et animatrice de télévision. La belle-fille de Chantal Leitzou a débuté sa carrière à la télévision en 2005 en animant les magazines Tout va bien, Facile la vie et Facile les vacances pour Direct 8. Après avoir présenté la météo sur M6, elle a succédé à Louise Bourgoin sur Canal+. En 2010, Pauline Lefebvre a arrêté sa carrière à la télévision pour se consacrer au cinéma. Elle a notamment joué dans Voir la mère de Patrice Lecomte, Mince alors, de Charlotte de Turckheim ou encore Salo, On t'aime de Claude Lelouch, avec Johnny Hallyday et Sandrine Bonner. En 2023, elle était au théâtre, pour Mon voisin nu, dans lequel elle retrouvait Patrice Lecomte à la mise en scène. Pauline Lefebvre a épousé Julien Anceau en 2013. Leurs jumeaux, Hugues et Léopoldine, sont nés en octobre 2020. Deux bébés qui remplissent de bonheur Chantal Leitzou.